Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc je suis désolé, il n'y a pas eu la manche 1. En fait, il faut savoir que la manche 1, je l'ai filmée, j'ai tout fait comme il faut. Le problème, c'est qu'une fois, en fait, j'avais des problèmes sur mon PC, j'ai dû le réinitialiser. Du coup, j'ai perdu l'enregistrement. Je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, dès que je faisais le rendu de la vidéo, mon PC s'éteignait directement dès que je commençais à faire le rendu. Donc normalement, ça devrait aller là. J'ai réinitialisé, j'ai tout fait correctement. Donc avec un peu de chance, il devrait pas y avoir de problème. Donc on verra un peu ce que ça donne. Donc j'ai perdu la première, j'ai pas pu faire grand chose. De base, il avait, si je me souviens bien, il avait GMK et SE. Non, GM et SE. Avec pas mal ce qu'il faut à côté, donc voilà. Par contre, je vais bientôt retomber, je suis en train de me dire. Il va falloir que je gagne celle-ci, si possible. Bon, je vais pas prononcer son pseudo. Blindage Chromium, il est du coup au même stade que moi. SE ou pas? JKR, Tarkin. Throne, pardon. Il a pas de gel, ok, donc c'est déjà un peu mieux pour moi. Est-ce qu'il a beaucoup de reliques? Non, ça a l'air d'être ok. Je regarde un peu s'il a monté pas mal de personnes, mais ça n'a pas trop l'air. Donc ok, il est à peu près comme moi. Voyons voir ce qu'il a. Donc il a quand même fait JKL, il a fait Rivan, CLS, Bosk. Il doit sûrement partir sur un Jabba, je pense. Wampa, donc il a aussi sûrement voilà, Yoda Hermit. Il me semble que c'est R3 minimum pour Wampa et Hermit. Donc du coup HK, Bastilla, c'est sûrement parce qu'il a pas s'il a fait Malak mais il vient de relique. Ça va Jopress, Padmé. Ok, donc je pense qu'il va. Ouais, je pense qu'il va partir sur un Jabba. Parce que sinon je vois pas l'utilité de faire Embo. Donc JKR. C'est trop PO. Ok, bon, c'est à peu près des types que je peux faire. J'ai juste peur de sa CLS avec ses 3 PO. Si jamais il la met en défense, je risque d'avoir du mal. Bon, un vaisseau, normalement, ça devrait le faire. Voyons voir un peu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait pas monté tant que ça, les vaisseaux. Vas-y, allez, voyons voir un peu ce que ça donne. Ok. Ça devrait le faire, je pense, avec de la chance. Malak ou pas? Il y a Malak, mais il est pas relique. Il est pas G13 sur cette bataille. Ok. En vrai, je devrais pouvoir passer le haut. Le bas devrait être assez simple aussi. En tout cas, pour les Ewoks. Et Vador, c'est quoi vite fait? Vador, ça va. Ok. Ça devrait aller en vrai. Voyons voir du coup ici. Alors là, deux bonnes teams en vrai, même si Embo est un peu inutile dans la team des Bounty Hunter. Un Mando aurait été mieux, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Mais ça peut. Il est en X7 et il passe normalement dedans. Est-ce qu'il est juste cartel d'être ou ouais, il est chasseur de primes aussi, ok. Par contre, il n'est pas totalement mode. Alors, voyons voir un peu. Donc, on va commencer avec l'Empire Sith. Voyons voir un peu tout ça. D'ailleurs, pas de musique cette fois-ci. En réinstallant, du coup, j'ai réinstallé. Comment ça s'appelle? J'ai réinstallé l'émulateur. Et force est de constater que il y a eu une espèce de mise à jour qui fait que, apparemment, ça devrait être mieux. Donc voyons voir vite fait, 24, il est pas, il est tanky de base Malak, mais ses modes ne le rendent pas tanky. Il a énormément de ténacité, par contre ça va falloir que je fasse gaffe. Moi c'est Bastilla que je veux voir, surtout Bastilla et Revan du coup. Oh, elle est pas du tout rapide, elle est un peu tanky par contre. Et Revan, il va falloir que j'aille voir aussi le soldat site. Ok, Dark Revan par contre est rapide. Il est un peu tanky. Tu ne mets pas du pouvoir à lui? Tu mets du pouvoir à lui, non? Ou alors de l'attaque? Je sais pas, c'est bizarre. Et lui, voilà, c'est lui que je voulais voir surtout. 51, ça va. Il est pas mal tanky, lui. Ok. Il a pas de ténacité. Bon.
Qu'est-ce que je pourrais sortir? BH pourrait aller. Tiens, mon G3 n'a pas, mon R3 n'a pas, n'est pas passé. Est-ce que je mets lui? En vrai, il y a moyen que ça passe, mais j'aimerais bien possiblement garder. Vu ce qu'il y a en face, je mettrais bien une petite team empire là. En vrai. Je vais pas mettre ça, je vais mettre ça. Ça, et je voulais mettre Throne pour empêcher voilà, le taunt. Je pense que comme ça devrait être pas mal parce qu'en vrai, le pilote chasseur TE, vu que je l'ai mode, il fait quand même pas mal de dégâts. Throne et G12, il a juste pas les états, faut que je le mette. De toute façon, Empire là, ça va être le. Je crois que c'est la prochaine team que je vais mettre des états, donc ça devrait aller. C'est parti. Alors, y a pas eu assez. C'est ce que je craignais. Il y a eu pas mal d'immunité, ça c'est cool. La petite fracture. Pour l'instant, ouais, voilà, c'est le fear qui me dérangeait. Bon, j'ai raté, du coup j'ai fait n'importe quoi. En vrai, j'aurais dû. J'ai complètement merdé. En vrai, j'ai complètement merdé. Ouais. Ah, j'ai niqué une team pour comme ça, pour rien là. Ça fait mal. Ça fait très très mal. J'aurais dû activer. En fait, au moment où j'ai cliqué, j'ai regardé, j'ai vu que comme quoi il y avait la clairvoyance sur Bastille et Raven, et j'aurais dû activer du coup le massacre implacable de Vador. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Vu ce qu'il y a en face, en vrai, je vais peut-être mettre ma BH ici. Et après, sur l'autre, je mettrai sûrement ma première ordre. En bas, je mettrai Wampa. Et du coup, bah, c'est à peu près. Si ma. Ah, j'ai ma IT. J'ai pas fait gaffe à l'ordre en vrai. Ils sont rapides. Attendez. Faut que j'aille voir. C'est elle la plus rapide. Et je voulais voir. Elle a combien? Non, c'est pas elle. Ah oui, c'est Revan. Revan, il a combien? Attends, je suis trop deg d'avoir gaspillé ma team Empire. 256. Je crois que j'ai deux ou trois persos qui sont plus rapides que lui. Non, 227. Voilà, 271 et du coup il y a lui normalement. Voilà, 267. Ok. En vrai, ça devrait le faire, je pense. J'espère. On va voir. Voyons voir. Bon, ça, normal. Je m'attendais. Voilà. Pas trop, s'il vous plaît. La counter, ça l'a paniqué, mais là oui. C'est parti. Il y a eu la fear, il y a eu le marque de la mort. Ça va pas être simple du tout. Hein. Hop. J'arrive pas à le tuer ce truc. Ah c'est mort là. Bah si elle va jouer. Est-ce que je peux tuer Malak? J'aimerais au moins faire le haut, que je puisse aller au vaisseau. Même si je passe pas le bas du coup, j'aimerais bien faire le haut. Enfin je l'ai pas tué. Allez Malak. Putain mais il veut pas mourir hein. C'est une dinguerie.
Et n'empêche, juste parce que j'ai foiré avec ma Team Empire, du coup, je vais sûrement pas passer. Enfin, j'ai une bonne partie de la totalité de Magia qui est foirée. C'est dommage, faut vraiment se concentrer, entre guillemets. Wouah, c'est mort. Wouah, je m'attendais pas à ce qu'ils me mettent autant. Ah ouais, mais je galère tellement. J'ai niqué 3 teams là. J'en ai plus que 2. Je suis en train d'essayer de réfléchir. En vrai, la première ronde, ça pourrait vite fait passer. Le truc, c'est que je connais pas assez Embo. Attendez, je vais aller voir vite fait. Voir s'ils sont à peu près bien mode. Lui, c'est pas ça que tu m'en mode sur lui. Embo, voyons voir. Ah oui, mais non, je l'ai vu. Je suis trop con. Ah, oh, je suis trop dégoûté. J'aurais été plus attentif, ça aurait été bon, mais là. Bon, en vrai, la team d'en bas, c'est bon. Du coup, je vais mettre ça. Histoire de garantir le fight au moins. Même si ça va pas forcément l'être. Choc. Ouais. J'aimerais bien. Merci. Alors, deux souvenirs. De souvenir, je crois qu'il peut pas être un bloc capacité, lui. Beaucoup de fear. Full fear. Faut vraiment que le fier s'en aille. Putain, il m'a fait mal hein. En vrai non, je peux pas. Putain, c'est. Oh, c'est une dinguerie. J'arrive même pas à avoir le contrôle. Ah oh, il va mourir. Toujours pas. Ah c'est mort. Oh je suis trop dégoûté pour cette GA. Crois si seulement je pouvais recommencer la GA. J'aurais en vrai, j'aurais pas merdé avec ma team Empire, même si j'aurais pas fini la team Dark Revan. Je pense que j'aurais facile pu éliminer Bastila et Malak en plus. Je suis trop dégoûté. Franchement, je suis trop dégoûté. Ouais. Voilà. Bon écoutez, ça arrive, hein. Il y a des GA où tu peux pas non plus faire ce que tu veux, malheureusement. Lui, je vais l'éliminer au maximum. Je savais que j'aurais dû attendre. Je garde son taunt. Hein.
Il veut pas retirer son taunt. Il est mort derrière. Wouah! Ice stun. Il meurt ou pas? Non. Full counter. Ah, il va mourir. Oh, j'ai rien pu faire. Ah, oh, cette Gia, elle est déprimante. Elle est déprimante, cette Gia. C'est une horreur. Ça va être la même. J'ai rien pour faire. En vrai, ils étaient pas si bien modés que ça. J'ai juste full merdé. C'est pas comme si. En fait, le truc, c'est que je sais que c'est pas forcément les meilleurs teams que j'ai pour counter ou autre. Mais c'est le fait de savoir que j'aurais pu passer si j'avais fait attention. Et c'est un peu le problème. Là, la Dark Raven, par exemple, j'aurais pu facilement. Enfin, j'aurais pu la passer beaucoup plus facilement. Enfin, j'aurais pu déjà la passer. Même si j'aurais fait deux combats, j'aurais pu la passer et passer à l'autre et puis au vaisseau. Là, malheureusement, bah, ça n'a pas forcément été le cas. Et le problème, c'est que du coup, j'ai gaspillé toutes mes teams en haut, enfin ici quoi, et j'ai rien pu faire. Bon, bah écoutez les gars, malheureusement, bah déjà, je tombe Chromium 4, et bah j'ai pas pu faire grand chose, hein, vraiment. Là, il a. Je sais pas, sûrement il a une CLS ou JKR, et bon, il passera pas mes vaisseaux, mais il passera en haut pour sûr. En bas. Ça dépend ce qu'il a mis en défense, mais derrière là, ici. Mais il y a de fortes chances qu'il a mis soit CLS, soit JKR. Dans tous les cas, il a mis ces grosses teams là. Oula. Désolé. Je pense pas qu'il ait mis autre chose en vrai. CLS, JKR. Il y a possiblement une Padmé, Grievous. Faudrait voir. Non, je pense pas qu'il passe toute ma défense. Mais ouais, il peut au moins buter, je pense, une team. Pour sûr. Ah, et c'est vrai qu'il a JKL aussi. Ouais, non, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain, il passe au moins une team. Et du coup, il arrive à la gagner. Bon, bah écoutez, ça arrive. Hein. Malheureusement, ça, comme j'ai dit, ça arrive de faire des erreurs. Il faudrait juste que je fasse attention la prochaine fois. Quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo, désolé pour cette GA, et puis je vous dis donc à bientôt pour une autre. Allez, ciao tout le monde.